tout de même petite, hein, bien sûr, c'est normal, si on compare bien sûr aux mâles qui sont juste affûtés, mais qui ont 3 mois de plus. Bimbo Rose, c'est sa mère, fusée. C'est son père, il s'agit, je le rappelle, du lot 63 qui est ici sur le ring numéro 1, né le 16 mai. Bimbo Rose, donc une place en place, c'est son premier produit, elle descend de Jet Rose qui a gagné 7 courses. Et de Istabel qui a gagné 5 courses. C'est étonnant, on trouve un pédigré qui comme ça de loin paraît maigre sous la 3 et 4e mère, mais à partir de la 2e mère, dit-on, ça s'est bien énervé, puisque énervé dans le bon sens, puisque Tocibel a fort bien produit, 3 vainqueurs, et Bimbo Rose nous présente ici dans une fille de fusée. Le cheval de l'équipe de Kekedet qui s'est fait la même une saison. Marchez le long là-bas si vous pouvez. Sur le ring numéro 1. Sur le ring numéro 1. Ah. Il est le 1er mars. Là, on a un mâle qui est donc le 1er mars, début de Boumont, la mère qui est béni. Un petit peu plus là-bas, si vous pouvez. Auteuil, il est également deuxième du Samaritain à Auteuil, et nous allons passer son premier produit. Et Vénus de Gaumont, c'est la sœur d'un bon cheval par Marcia Sorrento, chef du chemin, et Christopher Pan. Il s'agit de Bob de la Chevron, je fais des petites en plein, et qui continue une bonne carrière en obstacle. Et puis si on descend sous la troisième mer, c'est au Gigi, là on a des sujets classiques, hein, comme Madison, Camillo, le deuxième du Grand Circuit de Paris, ou Provence. Voilà, on ne va pas forcément jusqu'au bout, voilà, c'est bien. On fait demi-tour avec les 71. Il finit d'aller si loin, c'est pas un problème, on revient. Et puis après, parce qu'on va faire, on va revenir au bail, on va enchaîner sur une nouvelle aventure de circuit autour de ça.